Le contexte aujourd'hui du débat sur comment éradiquer le chômage et réussir la sécurisation de la vie professionnelle se situe dans un élément très particulier, c'est celui d'avoir un travail qui est malade. C'est un travail qui est malade pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on ne lui a plus donné de sens, il n'a plus de contenu et du coup il ne permet plus aux salariés de s'épanouir, d'avoir un travail de recherche et d'avoir la satisfaction d'apporter quelque chose à la collectivité. Et on va dire la deuxième maladie du travail, c'est le fait qu'il n'est plus reconnu du coup comme créateur de richesses, et ça au profit de la spéculation. Spéculation sur les matières premières, ce qui crée des famines, spéculation sur l'immobilier qui crée la crise du logement, et spéculation sur l'appareil productif qui crée aujourd'hui le dumping social en permanence. Et donc une des pistes à travailler serait d'investir dans l'appareil productif, d'investir dans la recherche, d'investir dans la culture, d'investir dans l'éducation, bref, d'investir dans la citoyenneté, puisque le travail n'est pas un élément du citoyen. Et une de ces façons d'investir, c'est aussi de permettre aux salariés de pouvoir travailler tout au long de sa vie sans se poser la question de « que vais-je faire demain ?» au sens préoccupation du « comment je vais vivre ?» ou plutôt « qu'est-ce que je vais faire demain ?» au sens « j'ai l'opportunité de faire quelque chose qui me plaît et j'ai par un statut du droit du salarié qui me permet d'accéder à la formation pour développer et maintenir mes compétences, à la sécurité sociale permanente qui me permet en fait de retracer mon parcours professionnel et de m'épanouir. »